Salut, tu sais quoi? Help me, sauve-moi, j'en ai marre. Elle est là, je veux m'échapper, elle veut me faire un soin de force aux cheveux. Je suis deg. Alors, j'avoue que le soin, je suis content, mais après, c'est la suite qui va pas être terrible, apparemment. En fait, je vous explique. Farid, il se plaint tout le temps, tout le temps, tout le temps, à longueur de journée, que ses cheveux, ils sont abîmés. Donc moi, je lui ai dit, j'ai une solution miracle. Je suis une fille et j'ai les cheveux longs et du coup, j'ai besoin de faire des soins à mes cheveux. Donc, du coup, je lui ai sorti ma super potion magique et je vais lui faire un soin aux cheveux parce que lui il a les cheveux frisés. Ah donc on est d'accord, on s'arrête qu'au soin aux cheveux? Non, après à la suite. Et après en fait mon rêve c'est de le voir avec le cheveu lisse, donc du coup j'ai dit que j'allais lui faire les plaques. Donc pour mon soin aux cheveux j'utilise deux ingrédients, des fois trois, mais là j'en ai que deux. Je prends l'huile de coco, la pure, d'accord, l'huile de coco, que je mélange avec l'huile d'argan qu'on m'a ramené du Maroc. C'est une copine à moi qui m'a ramené du Maroc. Je mélange, je mets le tout dans un petit truc comme ça. Et après, j'applique avec délicatesse ou pas sur les cheveux. Donc, préparation, on va mettre comme j'ai quoi faire, je te le dis. Mais je sais pas quoi. Tu as vu comme je prends soin de toi? Quand même, je suis une femme en or. Hop. Ah. C'est ta même épingle. J'ai tout prévu. Voilà. Donc, on va malaxer doucement. Donc, du coup, il faut toujours mettre le soin sur les longueurs, d'accord? Pas sur les racines, parce que sur les racines, ça sert à rien à part rendre des cheveux gras. Donc là, on va mettre sur les longueurs des cheveux à notre petit Farid. Donc, ne t'inquiète pas, c'est normal. Hein, si tu sens des trucs goulinés, je sais pas, tu as tellement de cheveux, toi, que je me pose la question s'il va y en avoir assez. Pas moi qui deviendrai chauve un jour. Hein. Non? Ah bah ça, c'est sûr. C'est pourquoi j'ai beaucoup de cheveux? Non. Parce que j'ai beaucoup de neurones. Elle était bonne celle-là. J'avais pas remarqué encore. Enfin, pour les cheveux, oui, mais pour les neurones. Il faut bien imbiber, d'accord? On essaie de faire pénétrer l'huile dans tous les cheveux. Parce que quand ils avaient des cheveux comme ça, comme Farid, c'est lourd, quoi. Vous voyez, moi je mets 10 minutes, lui il va en mettre une demi-heure. Donc il faut bien qu'on en ait partout, dans tous les cheveux, dans toutes les bouclettes. Petite bouclette. Ça fait du bien, non? Non, j'avoue que là c'est bien. J'avoue que c'est bien. Je pense qu'on va s'arrêter aux soins. Non. Plus important, c'est les pointes. Ou rajouter aux pointes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'abîme le plus. Mais toi, c'est pas les pointes qui sont le plus abîmées. C'est tout. Toi, c'est là. C'est parce que tu tires quand tu fais le chignon. Tu tires trop fort tes cheveux et du coup... Je les casse tous. Tu les casses tous. Bon, écoutez, on va en remettre parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. D'accord? Donc, on va refaire une petite séance... deuxième séance de potion magique by Elisa FDZ. Alors j'ai besoin de toi, tu vas te tenir tes cheveux. C'est où t'as vu cette technique? Elle sort pas de ta tête au moins, j'espère. Bah non, mais ça c'est connu partout, hein. Je vais être obligée de t'en mettre dans les racines parce que t'as les cheveux abîmés aux racines, toi. Donc si vous avez les cheveux abîmés comme Farid aux racines, vous pouvez en mettre aux racines, d'accord? Toi, ils sont abîmés là en fait. Je crois que je vais faire un boulot à zéro. Non. Et voilà, pour finir. On fait comme ça, quand même. Pas, ah oui, on va pas en perdre une miette. Hein. On essuie le pot avec les cheveux. T'as cru que c'était une serviette? Non, mais moi je fais comme ça aussi parce que au moins ça m'imite bien. Donc maintenant, l'essentiel est dans l'actel. Et dans l'actel. Une fois que vous avez bien imbibé tous vos cheveux, que d'accord, vous sentez que vos cheveux sont bien imbibés, là il y a moment indispensable, c'est le temps de pause. Donc moi je vous conseille de le laisser minimum une heure, vraiment minimum, et encore c'est le minimum, c'est indicable. Si vous pouvez le faire toute la nuit, c'est que mieux. Donc vous prenez une serviette, d'accord, vous l'humidifiez avec de l'eau chaude, d'accord. Donc là je vais aller humidifier la serviette. Aidez-moi, je peux plus là, j'en peux plus. Je sens que ça promet, tu sais quoi, 3 semaines qu'elle me bassine avec ça, voire peut-être même un mois, je dirais. Un mois qu'elle me demande de faire ça. Le soin, il n'y a pas de problème, mais c'est la suite.
Tu vas m'en garder le pire pour la suite. L'essentiel de ce soin aux cheveux, c'est qu'en fait, il faut rester comme ça, avec l'enveloppe de la serviette chaude, parce que la chaleur, ça va ouvrir les écailles du cheveu. Et les écailles du cheveu vont absorber l'huile de coco et l'huile d'argan. Une fois que vous avez fait chauffer votre serviette bien chaude, que vous voyez que la fumée sort de la serviette, on va envelopper notre cher et tendre cobaye prénommé Farid. Alors vas-y, mets-toi en avant. Voilà. Mets-toi en avant, en avant, en avant, tourne-toi. En avant comme ça. Pourquoi tu rigoles? Je voulais que tu portes ta tête du clan. Hop. Oh, c'est agréable ça, c'est chaud. Hein. Comme ça, comme ça, comme ça. Vas-y, remonte, remonte, remonte. Surprise! Là, on va faire comme les gens à Dubaï ou en Afrique. Ah, j'ai une turban sur la tête. On sait pas trop. Tu vas rester comme ça pendant une heure, d'accord? Une heure? Donc, il faut rester comme ça pendant une heure. Si vous avez la possibilité de remettre au chauffer la serviette, c'est que mieux. Parce qu'il faut absolument que le truc soit chaud parce que ça refroidit vraiment vite. Donc, dans une heure, on reprend et on fera la suite. D'accord? Allez, à tout à l'heure! Tchuss! Même le truc, bon, ça fallait. Donc, du coup, ça fait une heure, ça y est. On l'a remis une fois dans le micro-ondes pour que ça réchauffe. Donc là, tu peux aller te laver. Enfin. Tu te laves les cheveux. Alors, je vais te donner, tu vas prendre un masque pour démêler bien les cheveux. Ouais. D'accord? Tu fais le shampoing. Après le masque, tu le laisses poser. Ouais. Et après, une fois que tu as démêlé tous tes cheveux, je m'occupe de toi. D'accord? On fera sécher tes cheveux à l'air libre. Ouais. Parce que moi, j'utilise jamais de sèche-cheveux, ça abîme trop les cheveux. Et après, je te prépare une petite surprise. Non, mais moi, la petite surprise, ça paiera. Voilà, donc, à tout à l'heure. Le meilleur pour la fin. Ouais, bref, vaut mieux pas regarder. Bon, les amis, ça y est, Farid a des cheveux tout doux, bien soyeux, qui brillent, tout ça, plus de problèmes de démêlage, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Grâce à qui? Grâce à Bibi. Donc, du coup, la petite surprise de la soirée, c'est de, vous avez vu tous ces cheveux frisés là? Ça va être un lointain souvenir. On va faire les plaques! Alors, bon, c'est des Simpods, d'accord? Parce que moi, je n'utilise que ça, parce que le reste, je ne sais pas m'en servir. Et en fait, le deal, ça va être de voir le résultat final de ces beaux cheveux frisés. Ah, je crois qu'on m'appelle, attends. Je crois qu'on m'appelle. Non, t'appelles pas. Non, je peux y aller. Non, tu restes là. Donc, Farid, si je te fais mal quand même, tu me le dis, mais en général... J'ai mal. C'est ça, ouais. En général... Attends, baisse la chaise un peu, s'il te plaît. Voilà. Non, mais tu crées au coiffeur là. Alors, et le massage crânien, tu m'as arnaqué, tu m'as dit que tu me ferais un massage crânien. Non, mais ça c'était pour te maintenir en haleine. Je sais pas comment on dit. Donc, petite pince comme ça. Ah, t'es beau là. Alors, on va démêler tous ces cheveux. Non, si je te fais mal, tu me dis quand même. Aïe. À ce point. Oh, tu as des cheveux. Alors, moi je vous explique, les amis, mes cheveux en 7 minutes, je fais. Les Steampods. Parce que moi, j'ai des cheveux, ils sont longs, mais j'en ai moins que toi. Hein. Parce que toi, à mon avis, on va avoir du travail. Oh, tu crèmes pas les cheveux? J'aime quand ça fait mal. Tu aimes quoi? J'aime quand ça fait mal, c'est bien. Bon, allez, mon petit. Ah ouais. C'est oh, parti. Fais ça bien, Lisa. Oh. Allez. Ben en fait, c'est tu sais pourquoi je suis content? Parce que c'est le seul moment de douceur que tu me donnes dans ma vie. Oui, bien sûr. Putain. Et tu crois que c'est de la douceur quand tu fais la rapide? Je suis gentil avec toi. Rapide, j'étouffe. Allez, si je te brûle l'oreille, si tu me le dis. Ah non, me brûle pas l'oreille. J'ai peur là, je te jure. Aïe, je te jure, tu vas brûler. Ouais. Attends, tu vas toucher l'oreille. Putain, mais ça sent le poulet cramé, non? N'importe quoi! Waouh! Ah, mais ils sont tarbins, hein, des cheveux! Ah ouais. C'est un truc de fou! Ça fait. C'est horrible. Je te mettrai un petit soin après, hein. T'inquiète. J'ai le soin Steampod.
Ah, il y a un soin Simpod. Ah oui. C'est un soin chimique, ça. C'est un soin Simpod. Sans le litchi. Ils te vendent le soin avec, ils sont malins. Et tu le mets dans ton appareil, le soin? Non, c'est sur les cheveux à la fin. Mais t'as mis de l'eau, il n'y a pas d'eau dedans. Si, il y a de l'eau. Je la vois pas, moi. Non. Mais oui, il y a de l'eau. En fait, ce qui est dur, parce que toi, tu as vraiment les cheveux frisés à la racine. Mais avant, là-bas, je les avais pas frisés, je te jure. C'est complexe. Vas-y. Ouh là là. Oh, tu sais quoi? Tu es pire que ma soeur, toi. Tu as des cheveux. Parce que moi, je vous explique. J'ai une soeur jumelle. Elle a des cheveux. Ils sont magnifiques. Ah, donc moi, j'ai des cheveux magnifiques aussi. Non, toi t'as pas des cheveux magnifiques, t'as des pourquoi cheveux. Pourquoi t'as dit c'est pire comme ma soeur? Parce que ma soeur elle a des gros cheveux, comme toi. Bouclés aussi? Non. Elle a des cheveux, ils sont super épais. Donc ça veut dire qu'en fait pour attacher ses cheveux, moi j'en ai beaucoup, mais elle c'est carrément il faut trois chouchous. Toi, c'est pareil. Tu as les mêmes cheveux. Sauf qu'ils sont pas aussi longs qu'elle. Et il est où le bouton off? On t'a jamais dit que tu pouvais être muette moi, dans la vie. C'est trop rigolo de te voir avec les cheveux raides. J'adore. J'ai la gueule de PNL, ça y est. J'adore. Oh là là. J'adore te voir avec les cheveux raides. Ça fait... Oh, vous savez quoi? Je vais vous faire une révélation. Depuis que je le connais, depuis à peu près... Je sais plus combien de temps je le connais, j'ai oublié. Arrête, tu comptes à chaque fois, chaque mois. La mytho, la fille, tu sais quoi? Elle compte tous les mois, à chaque fois, elle me dit, dès que c'est le premier de chaque mois, elle me dit, ah, tu sais, là, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Là, ça fait 3 mois, 2 mois, 1 mois. Là, elle attend le 1er mai. Donc, du coup, depuis que je le connais, je le tarabuste à lui dire, s'il te plaît, je peux te faire les plaques, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai trop envie de tester et tout. Oh, le jour est enfin arrivé, je suis trop contente. On est le 14 avril. Mon rêve se réalise. Il en faut peu pour être heureuse. Il en faut peu pour être heureuse. Il faut faire les plaques à Farid. Oh oui, ça va plus être un petit mouton. Ça va être un petit... un petit quoi? Ça va être quoi? Un petit paillot. Oh, tu vas voir. Oh là là, j'adore. Comment on dit? C'est pas un babtou, on dit, non? Babtou? Je vais être un petit blanc. Ben, je vais être un petit blanc. Mais ta couleur de peau n'a pas changé. Ah ouais? Tu vois, moi normalement, je prends. Genre, juste une fois, je passe. Moi, j'ai les cheveux raides. Mais juste une fois et ça fait toi. T'es pas un peu fatigué, t'as pas envie d'aller dormir. C'est les cheveux du. Ça, c'est les cheveux du bled. Dans le terre-terre. Dans le terre-terre. Dans le terre-terre. Eh oui, au bled, il y a beaucoup de moutons, non? Oh là là, qui sont doux, tous ces cheveux. Touche-les. Oh là là. Ils sont doux, mes cheveux. Eh oui. Ah, tu vois, j'ai des méchants cheveux. C'est grâce cheveux. À qui? Mais c'est parce que grâce c'est... à Lisette. Ah, tu vas me dire que ça améliore les cheveux, ça leur fait du bien, tu vas me dire. Regardez-moi cette chevelure. Regardez-moi ça. Je vous montre de près. On voit pas près, on voit pas très bien, mais. C'est trop. Moi, franchement, maintenant, Paris, je te le dis. Hein. Maintenant que je t'ai vu avec les plaques, dorénavant, quand on sort, c'est les plaques. Hein. Tu vois, cette séance de plaques, ça embellit ma journée. Ça fait trop bizarre de te voir comme ça. T'as une sacrée tignasse. Et va, mets-toi devant moi, tourne-toi. Attention, j'étais en train de m'endormir là. Oh là là, le petit. Et va. Attends, faut pas tout dévoiler de suite. Oh, PNL, on dirait. Regardez-moi ça. Attends, je vais te chercher le sommet, d'accord? Allez. C'est horrible. Non, ça y est. C'est quoi tu m'as fait? Le petit soin, Steampod. Voilà. Allez, on va leur montrer.
Donc, Farid a les cheveux raides. Oh, t'as les cheveux, ils sont plus longs que moi, sérieusement. On voit pas bien ton doigt. Mets-toi la lumière. Waouh! Vous en pensez quoi? Non, mais faut que tu me fasses une coupe classe là, tu me laisses pas comme ça. Mais oui, oh là là. Aïe! Bon, c'est pas grave, on a pas besoin de plaque. Alors, maintenant, je vais lui faire une coupe classe. Viens mon petit, je m'occupe de toi ce soir. C'est moi qui m'occupe de toi. Alors, tu préfères quoi? Racaille de Marseille? C'est quoi l'option racaille de Marseille? C'est quoi? Alors, option racaille de Marseille, je vous explique. C'est laisser un petit peu de dessous et faire une petite... Viens ton temps. Ah. Alors, racaille de Marseille, ça va être la demi-queue en chignon. Ouais, brofter à Cali de Marseille. Horrible, là, horrible. Je peux aller au Chicard. Je peux plus les voir ceux-là. Hein? Je peux plus. Je les croise tous les jours. Je peux plus. Donc, et là, tu as plusieurs options de métier après. Hein. Je vous laisse deviner lesquelles, hein, bien évidemment. Mais il n'y en a pas beaucoup, finalement. Ah ouais, développe. Développe. C'est dans la rue que ça se passe. Donc. Au terre-terre. Au terre-terre. T'as un chouchou? Ah non. Et après, c'est quoi les autres options que j'ai? Putain, t'es là, ouais. Lève-moi le... Oh, elle t'est mort, j'en ai. Aïe, t'allume pas les cheveux. Donc, option... Racaille de Marseille. Hop là. Comme ça. Donc ça, c'est... Racaille de Marseille. Ça te va bien? Ça va bien? Ouais. Allez, ouais, racaille. Ah ouais, là j'aime trop là. Faut que je te fasse une photo. Après, à l'italienne. Ah, italienne, ça me plaît bien ça. Oh là 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 là. À l'italienne! À l'italienne! En plus, on va aller au 5 terres. C'est quand même mieux, hein? L'italienne, hein? À l'italienne, hein? Non, l'italienne, en vrai, ils ont les cheveux détachés, les italiens. Comme donc ça? Comme ça, genre. Un peu genre. Non, mais toi, le problème, c'est qu'ils sont pas assez souples. Bon, c'est pas grave. On peut pas faire comme ça. Alors, c'est pas grave. Les Italiens, ils ont la coupe. Vraiment, tu vois, les Italiens, c'est les meilleurs. Alors, les Italiens, ils ont classe. Les Italiens, ils ont de la bonne bouffe. Et les Italiens, c'est les meilleurs. Parce qu'ils s'habillent trop bien. Là, c'est option chinoise. Là, c'est un petit chinois. Finalement, je suis partie plus sur le côté asiatique de la chose. Ah, putain, je suis plus un petit gars. Le côté asiatique de la chose. Petit chignon. Hop. Voilà. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Et après, il y a quoi comme autre option? Bah, après, il y a l'option... Je sais pas moi, la queue, la petite queue de cheval, ça fait un peu fille ça quand même, hein. Pour éviter. J'ai mettre du moi, j'ai besoin d'avoir votre avis. Déjà, première question, vous préférez avec les plaques ou les cheveux frisés? Et ensuite, parmi les coiffures que je lui ai faites, vous préférez quoi? Le Marseillais en mode je travaille dans la rue, l'italienne ou bien le petit chinois? Bon, bref, t'es content? Ouais, trop content. C'est pas crédible, hein? Je crois que moi, je vais finir mon verre. Et puis, je vais faire plein de vidéos et plein de photos souvenirs. Parce que ça, ça doit rester gravé à vie. Allez. Bisous! On se réveille! Pourquoi tu parles plus? Tellement heureux que j'ai plus de mots, j'ai pas de mots, j'en perds mes mots. T'es content? Ah ouais, non mais je peux même pas dire, c'est, t'as changé ma vie. C'est vrai? Je savais. Bon, là je te fais une petite surprise. Ah ouais? Mmh. Parce, on peut s'en passer, j'ai pas besoin de surprise. Non, mais oh, mon... Oh, tu vas être mignon.